La pelle hydraulique, le bouteur, la niveleuse, tous des engins de chantier qui font rêver petits et grands en Gaspésie. Mais comment devient-on opérateur de machinerie lourde? Ça passe bien souvent par une formation. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Jean-François Jonf, candidat à l'obtention du titre d'opérateur d'engins de chantier au Centre de formation de la Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts. Aussitôt que tu fais quelque chose de pas correct, tu le vois tout de suite dans le travail que tu viens de faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce métier-là parce que ça, si tu fais une erreur, justement, tu peux la corriger et t'améliorer du même coup. Il n'y a pas de place à une zone grise. On met pas les sentiments et les émotions dans notre travail. Là. Je veux dire, on joue dans la terre puis that's it. C'est ça. Mon nom, c'est Jean-François. Je viens du Lac-Haut-Saumon. Je suis présentement aux études à Saint-Anne-des-Monts, au CNCEC, en opération d'équipement lourd. Au Lac-Haut-Saumon, il y avait le gars de l'odeur qui passait dans notre rue, puis à chaque fois qu'il passait, il fallait que je fasse un petit babaille, là. Il fallait que je sorte. Je disais « Maman, craqueur », puis je sortais dehors, là. J'habite au Méchain, puis je vais à l'école à Saint-Anne-des-Monts. On fait une semaine de jour, on fait une semaine de soir, donc on finit la semaine prochaine. Si tu travailles dans le roc, tu n'auras pas besoin d'arrêter la pluie, mais si tu travailles dans le sable ou dans la terre, il faudra qu'il arrête. On a deux classes de 8 élèves, donc il y en a 8 qui sont le jour et 8 le soir, et on alterne à chaque semaine. On a le loader, on a le boule, on a le grader, on a la pelle mécanique, on a la pépine, on a aussi le camion. Doseur casse. Ça prend ça pour rentrer sur le chantier. Il y a aussi les bottes de sécurité qui sont importants. Donc, le cours dure un an, mais en tout et partout, 9 mois, ce qui fait un cours d'environ 1080 heures. Ce 1000 heures-là peut être ajouté à ton 2000 heures, en fait, que tu dois faire pour avoir tes cartes d'apprenti dans chaque machine. On arrive sur le chantier, la première chose qu'on fait, on inspecte notre machine. Nos liquides, on regarde les lices, ça a bien du bon sens, les chaînes. Regardez l'huile moteur. On regarde s'il n'y a rien qui coule dans nos aux hydrauliques. Que j'aime ça ou pas, il faut le faire. C'est sûr qu'à moins 40, c'est moins le fun à faire. Je pensais faire l'appel aujourd'hui, mais finalement, ça va être du boulot. J'aime ça, j'aime vraiment ça. On a notre gauge huile hydraulique ici. J'ai commencé avec pépine. Après ça, j'ai fait loader, grader. Il me reste, on est à la fin de l'année, là, il doit rester une dizaine d'heures à faire là, pour le boule. Ensuite de ça, j'ai mon diplôme. Un boule comme ça, on peut le fueler une fois par jour, ben une fois ou deux jours environ. Ça va aller, on va aller de l'autre côté, on a le chantier qui nous attend. On va aller faire une digue. La mission, c'était de faire une digue avec une route de service en plein milieu de la digue. Donc, on a deux côtés plus le centre qui est une semi-route. Lui, son exercice, bien, ça consiste à profiler un talus de manière égale
de faire une tablette centrale puis de gérer son matériel. Il n'y a pas vraiment de hauteur ni de haut de talus à respecter, mais c'est de travailler avec tout ce qu'il y a le matériel en place et à lui de se débrouiller avec tout ce qu'il y a comme matériel. C'est bien parti. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de terrain. Sont où mes trous, sont où mes bosses. Cette fois-ci, on a commencé la partance en haut parce que c'était plus facile pour moi de descendre mon matériel tout simplement par gravité, là. Quand le dessus est fait et bien droit, je vais me lancer sa digue puis je vais y aller de travers comme ça. On va essayer de se faire un petit chemin dans notre digue, assez large pour que le boule passe. Eh bien, on va faire notre possible pour faire une œuvre d'art, mais on joue dans la terre, hein, fait que... C'est la base avec le boule, il faut toujours se commencer droit. Cette machine-là, c'est un bulldozer qui a D4K2. Et c'est un petit bulldozer là, comparativement aux autres sur le marché. Bien, ici, on a nos lailles, on a les lailles des deux côtés de la machine. Ce qui est important de regarder, c'est toujours la chaîne à l'intérieur. On regarde s'il n'y a pas de bris, quoi que ce soit. Ensuite de ça, la blade devant. Notre blade, elle fait environ, je dirais, 3 mètres de large sur ce boule-là. Sur le joystick de gauche, j'ai ma commande avancée, reculée. J'ai ma commande tourner à droite, tourner à gauche. Donc ça va vraiment commander les lailles, puis la vitesse. J'ai ici mon joystick de droite qui me donne accès à ma blade. Donc quand je monte ici, ça monte ma blade. Si je le descends, ça descend ma blade. Avec ce petit bouton ici, je peux la tourner comme ça. C'est, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un accélérateur, c'est un décélérateur. Fait que la vitesse va aller avec le degré d'inclinaison de mon trotteur. Donc quand je la lâche, ça avance, puis quand que je veux breaker, je vais peser dessus. François, es-tu à l'écoute? Oui. Ça marche. Tantôt, on va se faire une implantation, on va se mettre une coupe de piquette, on va se faire une ligne droite. Je viens de tracer ma ligne. Bien, en fait, je suis en train de tracer ma ligne. Je me suis mis une ficelle, puis ensuite de ça, je vais mettre de la peinture. Donc ça va être le haut de notre digue. Cette ligne-là va être importante à suivre parce que ça va être notre référence jusqu'en bas. Je ne veux pas revenir vers le haut. Ce que je veux faire, c'est prendre mon matériel puis l'envoyer en bas pour pouvoir faire une belle digue. On va être bon pour commencer. À peu près n'importe quelle machine, lorsqu'on fait une première passe, il va toujours avoir un cordon à gauche ou à droite de la machine. Donc, c'est un excédent du matériel qu'on va pousser. C'est important pour bien travailler que la blade soit toujours pleine de matériel. L'important, c'est que le cordon ne se déplace pas dans le final. Donc, on ne met pas le matériel qu'on vient de travailler dans l'endroit qu'on a fini. Là. Donc là, on est pas mal à mi-chemin en ce moment. Presque mon final en haut. Pour l'instant, je vais aller encore couper ma digue d'en haut
pour essayer de ramener encore mon cordon vers le bas parce qu'en bas, il faut que je refasse une autre digue. En ce moment, le matériel est bon. On a eu une petite pluie hier, on a une petite pluie aujourd'hui, mais le matériel avait soif, donc ça fait pas de boîte. Là. On a un bon matériel qui se travaille bien. Ça a bien été? Ouais, ça a bien été, ça a pas été bien long. Non? Pas si pire que ça? T'as commencé par où, là? Le top, parce qu'il me manquait du stock dans le milieu. Je sais que normalement, on commence par la tablette, mais là, je commence par en haut, je me l'ai poussé en bas. Mais t'as bien fait ça, au lieu de tout l'éloigner, on l'a gardé proche, tu pourrais le remonter pour faire ta feu ta tablette droite. Ouais. Mais en général, c'est très bon, là. T'as un bon angle, je regarde ça, les deux angles sont pareils. Ouais. Tes angles de talus, là. OK. Très beau talus. Merci. Belle angle, ça a bien été. Tu aimais ça? Moi, j'aimais ça. Trippé au bout. Excellent. Il y a un challenge parce qu'on commence dans le néant. Là. Au début, c'est rien, puis après ça, ça devient un bon résultat. Fait que c'est très plaisant à faire. Bon, ben un coup que le chiffre est fini, c'est le ménage. Pour laver notre track frame, on enlève toute la terre qui se trouve ici, histoire de dégager notre rouleau qui est là. Lui, il faut toujours qu'il soit dégagé. Quand t'aimes ça jouer dans la terre, là. Auparavant, j'étais camionneur également. Là. J'aimais beaucoup faire la longue route. On faisait la 40 aux États-Unis au complet. Là. On partait jusqu'en Californie souvent. Ce qui est difficile dans ce métier-là, c'est la distance avec les proches et la solitude. D'avoir ma classe 1 est très utile pour tous les employeurs. Donc, pas besoin d'avoir un gars de classe 1 puis un opérateur. Donc, un seul gars peut faire les deux jobs. La raison pour laquelle j'aime les machines, c'est parce qu'on se sent en contrôle quand on est dans un engin comme ça. On peut faire de grandes choses avec très peu. Et ça travaille très bien. Le contrôle des machines, ça s'apprend. C'est vraiment trippant de contrôler des machines comme ça. Et le résultat est toujours le fun à voir. Ça prend une bonne habileté main-œil. Donc, on a besoin de voir ce qu'on fait et d'agir en conséquence au moment que ça arrive. Donc, ça prend vraiment cette condition-là. Pour devenir un bon opérateur, ça prend de la bonne dextérité, ça prend de l'autonomie et un très bon jugement. Parce que le foreman ne sera pas toujours derrière toi pour te dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Assez intensif comme programme. On ressent la passion de Jean-François à réaliser des exercices de précision afin d'intégrer un jour une équipe dynamique de chantier. On reprend la route au prochain épisode.